Si on aime le foot, c'est pour voir des matchs comme ça. Quelle excitation! On arrive tout de suite. Bienvenue et merci de votre présence pour le match d'aujourd'hui. Allez, on a plein de points. Le numéro 20. Grosse pression tout autour de la pelouse. Le coup d'envoi dans un instant. Le numéro 3, Ryan Aitnouri. Le numéro 22, Ismaël Benassé. Bonsoir à toutes et à tous. Ambiance exceptionnelle dans les tribunes de l'Orange Vélodrome. Au commentaire de ce rendez-vous, Benjamin Da Silva et le vrai génie, le seul génie argentin, j'ai nommé Omar Da Fonseca. Et la tension est palpable ici avec ce match qui promet d'être très intense. Et on le sent dans l'ambiance générale, beaucoup d'émotions en perspective. La passion du jeu s'impose toujours. Pendant 90 minutes, tous nos problèmes vont disparaître au profit du spectacle. Et donc l'arbitre siffle la faute, c'est un coup franc. Et on va regarder la composition de cette formation. Et on va s'intéresser à la composition de cette équipe. Titulaire dans le but, Bono, Romain Saïs avec Aguerre en défense centrale. Et enfin devant, Youssef En-Nesyri. Ouais, c'est bien fait, ça, sans faute. C'est peut-être le moment là, d'évoquer Riyad Mahrez. Évidemment, il n'est pas tout seul, mais lui, il faut le surveiller. Et oui, il arrive à déclencher très vite. C'est illisible pour le gardien. Et l'arbitre siffle la faute, coup franc dangereux à venir. Ah non, directement dans le mur. Ah, il y a une déviation et ça sort en corner selon l'arbitre. Vraiment dans la surface. Quel réflexe sur cette tête! Pour espérer la toucher, il fallait de la concentration, mais aussi des très bons réflexes et des jambes. Quel arrêt! Ah, et la bonne intervention pour soulager son équipe. Harit. Il y a du monde en soutien. Ballon pour Mazraoui. Bonne pression qui permet de récupérer le ballon. Avec Mazraoui maintenant. Pour Amin Harit. Il le concentre là peut-être. Et ça joue, Youssef En-Nesyri. Et l'arbitre indique le corner. Le corner. Oh, l'arrêt, le ballon était pourtant parfaitement placé. Elle partait très bien cette tête, mais c'était sans compter sur le gardien. Le ballon est intercepté. Brahim Diaz. Brahim Diaz. Le ballon est intercepté, c'est une bonne récup. Slimani. Oui, voilà, c'est une bonne percée. Bon crochet pour revenir dans l'axe. Trajectoire incroyable et cette puissance de fou. Il y a la puissance, la précision et la surprise. Il y a tout dans cette frappe très lointaine. Le premier but de ce match, donc 1-0 au tableau d'affichage. Super
le numéro 7, Brahim Diaz. Riyad Mahrez. Et la récupération du ballon. Il y a du soutien là pour attaquer. Ah voilà, il suffit de le dire. Et finalement, derrière, le ballon est perdu. Hakimi. Ziyech. Et ça joue sur Ziyech. Ballon pour Brahim Diaz. Ah, c'est parfaitement défendu ça. La pression sur le porteur. Peut-être une occasion à venir là-dessus. Ballon pour Brahim Diaz. Et maintenant Brahim Diaz. Attention à la frappe. Et c'est au fond, voilà le but, une égalisation, une belle manière pour relancer ce match. Beaucoup vont dire que c'était trop simple et trop facile, mais c'est rendre le jeu si simple, c'est ça le vrai talent. Et avec ce but, score de parité, un partout. Nusser Mazraoui, le ballon pour Amin Harit, En-Nesyri. Oui, bien défendu, le ballon est renvoyé. C'est une faute signalée par l'arbitre et donc un coup franc. Hakimi. Hakimi qui perd le ballon là. Oh oui, la frappe. Oh, c'est bien défendu. Oussem Aouar. Et c'est en direction d'Islam Slimani. Et de l'espace sur l'aile pour Riyad Mahrez. La frappe. Oh, le bon basseau. Incroyable cette frappe qui touche le montant. Avoir une idée, c'est déjà magnifique. L'exécution était presque parfaite. Quel geste! Brahim Diaz. Ce ballon pour Mazraoui. Harit. Et c'est bien défendu. Le ballon est récupéré. Hakim Ziyech. Voilà, c'est annoncé. Une petite minute de temps additionnel. Et ça joue sur Ziyech. Et voilà l'arbitre qui siffle à l'instant la fin des 45 premières minutes. Et la belle première période de la part de Riyad Mahrez. Il est en train quand même de porter son équipe. Quand on parle de prestations inspirantes, quand on parle de performances offensives, c'est ça qu'on veut voir. Et c'est parti pour cette deuxième mi-temps. Avec un peu d'espace sur son aile. Oula, l'équipe n'ira pas plus loin. Ce ballon est perdu. Hakimi. Ziyech. Et ça joue sur Ziyech. Aguerre hérite du ballon.
Hakim Ziyech. Excellent timing sur cette interception. Et ça joue sur Amin Harit. Ballon pour Mazraoui. Ah, le corps bien placé en opposition. Et oui, il y a la place pour un bon centre. Et ça joue, Youssef El-Nesseri. Ah, le bon réflexe là. Et carton jaune à posteriori, mais carton jaune quand même. Ouais, c'est un corner bien joué, bien frappé. Sans prendre de risque la défense, le ballon est renvoyé. Le ballon pour Hakimi. Avec Mazraoui maintenant. Allez, l'attaque pour aller mettre la pression. Et une possibilité là pour centrer. Allez, le pressing paye, ballon récupéré très haut. Ouais, ça n'ira pas plus loin parce qu'il y a une position de hors-jeu. Attal. Avec Riyad Mahrez. Oui, il s'est bien fait ça. Touche à suivre. Nous sommes dans les 30 dernières minutes de la rencontre. C'est un ballon perdu. Hakimi. Ah, les passes s'accélèrent là pour essayer de bouger le bloc adverse. Mazraoui. Amin Adli. Le ballon en touche. Et voilà, c'est le moment pour faire un changement. Brahim Diaz à la réception. Et attention à cette frappe. Elle frappe contre Emelie, encore danger. Et bonne séquence, ballon en retrait. Et le ballon renvoyé par le gardien, attention. Et l'attaque adverse est finalement bien repoussée. Et pourquoi pas une contre-attaque là-dessus. Le ballon est dégagé. Le ballon vers Riyad Mahrez. La bonne percée, il faut aller provoquer. Aucune prise de risque, le ballon est dégagé. Par-dessus, c'est très bien joué ce ballon. Eh oui, pas de doute, le but est refusé, il y a une position de hors-jeu. Oui, c'est parfaitement arbitré. Ouais, bonne agressivité à la récupération. Oui, la belle incursion là. Attention pour mener au score peut-être. Et c'est au fond, voilà un but important. Ça leur permet de reprendre l'avantage. Et la rencontre est relancée. Depuis le début, dans sa tête, c'est clair. Je ne dribble pas, je joue en force. Quand l'exécution, c'est parfait. Et ce but est crucial. Il est à quelques minutes de leur offrir la victoire, mais cette fin de match peut encore nous réserver des surprises. Mazraoui, ballon pour Brahim Diaz, et ça joue, Youssef El-Nesseri. Oui, c'est une bonne intervention sur cette passe. Bentaleb, dans le couloir, Riyad Mahrez, il a du champ. Ah, il peut frapper Riyad Mahrez, et le gardien relâche dans la zone dangereuse. Et un corner qui pourrait bien leur offrir une avance plus confortable.
très bien tiré dans la surface. Et la tête, et ça passe finalement au-dessus. Et le jeu est interrompu pour un remplacement. Et nous voilà maintenant dans les 10 dernières minutes de jeu. Ballon perdu, c'est rendu même. Oh, la faute là sur ce tacle, attention, que va dire l'arbitre là-dessus? Et l'arbitre là sort le carton. Eh oui, c'est le jeu. Et ce ballon est finalement intercepté. Transversal pour bouger la défense adverse. À l'offensive se poursuit sur le côté. Et il vient repiquer vers le but. Et le ballon sort du terrain sur cette intervention de la défense. Et c'est pour Bennacer. L'action se poursuit. Bon crochet vers l'intérieur. Ah, c'est joué dans le dos de la défense. Et le but, mais qui va être refusé. Dommage, c'était vraiment bien fait. Et oui, ce hors-jeu, ça se joue à peine à l'épaisseur d'une carte bancaire. Qui revient et sans réfléchir, tu te mets un peu de côté et là tu déclenches la foule. Qu'est-ce que c'est beau, Bang. Et l'arbitre siffle donc la fin du temps réglementaire. On en reste là avec cette victoire à domicile. Un succès assez net. Ces deux buts d'écart, ça donne une idée agréable de leur prestation aujourd'hui. Et oui, le réalisateur qui nous montre Riyad Mahrez, c'est le joueur qui ressemble le plus à une œuvre d'art. Avec lui, tout est magnifique. Super performance de sa part pendant tout le match. Sa présence apaisée sur la défense, ce doublé, c'est la récompense de tout son travail devant le but adverse.